Que se passe-t-il pendant ton shift énergétique? Ok? Manque de discipline. Si tu aimais faire du sport et tout ça là, tu n'as plus envie, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de volonté de te lever et te discipliner pour faire ton sport. Numéro 2, tu as l'impression que tu as envie de te goinfrer de n'importe quoi. C'est un peu comme si tu te relâches. Toi, quand tu nages, tu mets la tête dans l'eau, après tu fais pour reprendre de l'air. Pendant le tu manges beaucoup. Pendant la troisième chose qui se passe, tu consommes n'importe quoi intellectuellement. Like, tu vas regarder une série sur Netflix avec 19 saisons. Tu vas passer 4 jours à regarder n'importe quoi. Et pendant ce temps, tu regardes, tu essaies d'attraper une idée, tu veux te remettre, tu veux être concentré, ça n'arrive pas. Surtout après cette période de 8-8. Numéro 4, tu auras l'impression que tous tes rendez-vous, tu les renvoies, en fait, tu ne tiens rien, tu ne tiens plus rien. Tu veux remettre à demain tout ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Numéro 5, tu es incertain et tu doutes de tout. Tout. Tu n'es plus sûr. Oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. On va attendre pour voir. Un coup, tu veux voyager. Un coup, tu ne veux pas voyager. Un coup, tu réserves ton billet. Après, tu annules. Un coup. Donc, tu hésites énormément. Ça va influencer aussi tes relations qui me conduit au numéro 5. Une autre chose qui se passe quand tu es en shift énergétique, tu veux te séparer de ton gars, tu veux arrêter avec tes employés, tu veux plus signer les contrats, tu n'as envie de t'accrocher à rien du tout. Voilà. Si vous traversez ceci, sachez que il y a quelque chose de très grand qui est en train de se passer. Oui, un autre facteur aussi, tes finances ne donnent plus au top, top, top. Genre, yes, allez, on va se faire de l'argent, on va se faire de l'argent. Non, ça se passe plus comme ça. Ça vient, ça part, ça vient petit à petit. Ça vient toujours, mais ça vient petit à petit. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, si tu traverses cela, sache que ça va aller. Ça va passer, ok?